et aimer, respecter l'autre dans sa différence, essayer de le comprendre, tu vois. Et puis après, on s'aperçoit que, voilà. Alors, ça peut être avec un vélo, mais ça peut être aussi comme fait notre ami, là, qui est en train de méditer un peu les yeux fermés, là. Lui, il fait des réunions de quartier, tu vois. Parce qu'il a compris que si on unissait les gens, eh bien, on allait vers la paix. Parce que souvent, on dit, ah, le voisin, là-bas... Ouais, il est bizarre, tout ça, mais qui c'est qui est allé le voir, le voisin? Tu vois? Il est peut-être bizarre parce qu'il a un cancer, parce que si, parce que là. Et ce qui fait, j'admire autant que d'autres qui ont traversé l'Atlantique à la rame pour une cause humanitaire, tu vois. C'est pas... Il n'y a pas de différence. C'est chacun à sa couleur et va faire ce qui lui semble bon, comme toi dans ton métier, quoi, tu vois. Quand tu apprends à des gens des choses, tu essayes de t'y donner ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et la paix, c'est ça, c'est être vrai, quoi, avec nos imperfections. Imperfections, je suis un grand bavard, tu vois, des fois je parle trop, mais je l'admets, tu vois, tu peux pas te changer, tu vois. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a notre sœur aussi qui est venue là, avec nous, elle aussi, elle a des difficultés, tu vois. Elle a des problèmes de santé, mais elle est là, elle vient méditer avec nous depuis 2 ans sur le banc. Chacun, et puis elle apporte sa lumière aussi à des gens qui sont dans la difficulté. Je ne suis pas plus important que toi ou elle, ou que nos amis qui sont en train de filmer. C'est l'action que nous devons faire. D'accord. Voilà. Intéressant de faire plein de bonnes rencontres. Et de belles rencontres aussi avec toi-même. Merci Jean-Marc. Et je voudrais te dire quelque chose, Jean-Marc. Tu m'as dit pourquoi tu as collé Presenza sur ma remorque. Parce que vous êtes une revue de presse internationale qui a été reçue par les Chinois, qui est la plus grande puissance mondiale. Voilà. Eux, ils n'ont jamais colonisé en tuant des gens. Voilà. Ils ont une réflexion qui est totalement différente. Voilà. Être une revue de presse qui dit les choses, qui dit pas comment vous devez penser. Voilà, c'est ça qui est... Voilà, et ça me plaît beaucoup, tu vois. Et tu m'as pas jugé parce que je suis raélien, parce que si, parce que là, on a essayé de se comprendre. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour aider Jean-Marc dans son cheminement? Parce que toi, tu as trouvé ta voie, moi j'ai une autre voie, mais c'est peu important. On est des amis de la paix. Voilà, on est des amis de la paix. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question que tu m'as posée hein? Et puis j'aime beaucoup le logo, parce que le logo c'est le rond, c'est la révolution. C'est aussi, dans certaines cultures, le symbole de l'infini. On parlait des étoiles tout à l'heure avec notre ami là. Voilà, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On le retrouve, ce rond là, on le retrouve à côté du soleil, là, les deux ronds rouges et puis le petit rond. Qui est la révolution, un an à cette porte d'une révolution. Très, très, très importante. Donc ça m'a beaucoup plu. Et les différentes couleurs, et puis tout y est. Humanisme, non-violence, droits humains, désarmement, non-discrimination. Il y a tout là. Tout est dit. Quoi. Comment tu veux pas mettre ce logo sur ma remorque? C'est pas possible. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben oui. Et comme tu dis le rond aussi, c'est la forme courbe. C'est une douceur. C'est une douceur maternante. Hein. Aussi, oui. Et oui, elle est douce. Et oui.